Never explain, never complain, sauf quand il s'agit de courses équestres. Habitués des hippodromes, il n'est pas rare de voir les membres de la famille royale d'Angleterre se lâcher dans les tribunes. Si Elisabeth II offrait de son temps quelques belles grimaces et cris de joie lors des victoires de ses équidés, le reste du clan Windsor n'est pas en reste. Ce vendredi 23 juin, pour la première fois depuis la mort de la reine, le clan s'est retrouvé à Aubershire pour assister au Royal Ascot. Cette année, c'est de Sophie de Wessex qui a fait le show lorsque le cheval sur lequel elle a parié a remporté la compétition. En découvrant sa victoire, l'épouse du prince Edward a levé le poing en signe de célébration. Un moment partagé par Kate Middleton qui ravie pour elle lui a fait un signe de la main et a laissé exploser sa joie, relate le Daily Mail. Supérieure à Kate Middleton, Meghan Markle, Prince Harry, découvrez leur évolution physique et Charles III ému aux larmes à Royal Ascot la veille. À Royal Ascot, la journée a été marquée par un moment d'émotion. Dans les loges royales, le roi Charles III a eu une pensée émue pour sa mère. Lorsque son cheval Désert et Rose s'est imposé dans le classement de la course King George V, le souverain de 75 ans versait une larme. Et pour cause. En 70 ans de règne, Elisabeth II a assisté à toutes les éditions de la compétition, sauf celle de 2022 en raison de sa santé fragile. Présente sur la pelouse du prestigieux événement, Zara Tindall l'a confié au tabloïd britannique The Sun, « Vous n'imaginez pas à quel point notre grand-mère, la reine, aurait été fière. Voir ce cheval gagner, pour Charles et Camilla, c'est comme réaliser un rêve. C'est incroyable. Cavalière professionnelle, la fille de la princesse Anna a ajouté, c'est tellement excitant. Tous ces propriétaires qui viennent ici, et qui ont un cheval dans la compétition partagent ce rêve, cet espoir. Alors l'accomplir est tout bonnement incroyable. Les chevaux sont notre principal attrait ici. Et la compétition, l'adrénaline. C'est indescriptible. Crédit photo, agence.